Monsieur Prigogine, vous êtes prix Nobel de chimie et ça fait aussi de très longues années que vous vous intéressez à l'histoire des sciences. Est-ce que je pourrais d'abord vous demander qu'est-ce que l'âge classique de la science, cet âge qui commence avec Galilée, avec Newton, qu'est-ce que cet âge classique nous laisse à nous comme héritage? Mais évidemment, c'est un héritage immense. C'est l'héritage qui nous permet d'envoyer des cosmonautes. Mais en même temps, c'est un héritage qui conduit à des interrogations. Parce que finalement, la science classique, et je parle de la science fondamentale, la science de Newton, de Schrödinger, d'Einstein, était basée essentiellement sur la stabilité, était tournée vers, l'équilibre, la stabilité. Est-ce qu'on peut dire la permanence aussi? La permanence. Mmh. Tandis que nous voyons partout maintenant fluctuation, évolution, instabilité, pour commencer déjà dans l'histoire cosmologique. Donc, il me semble que l'évolution qui se fait devant nous, c'est le passage d'une science comme géométrie à une science comme narration. Oui, Descartes disait « toute ma physique n'est que géométrie ». N'est que géométrie. Et on peut dire la même chose d'Einstein, n'est-ce pas? Donc, et je crois que c'est d'ailleurs un des grands paradoxes, parce qu'Einstein est parti de l'idée de la permanence de la géométrie, et c'est pourtant ces théories qui ont été très importantes dans la découverte de l'histoire de l'univers. J'ai toujours aimé dire qu'Einstein était devenu le Darwin contre sa propre volonté, n'est-ce pas? Et donc, c'est cette transition, je pense, qui est très importante, parce qu'elle permet d'inclure, au fond, dans la description de la nature et le fondamental et les lois de la nature et aussi la vie et finalement l'homme. Et c'est de cela, au fond, que je voudrais vous dire quelques mots. La science classique, le concept fondamental de la science classique, c'est la notion de loi de la nature, dont l'exemple le plus frappant est évidemment la loi de Newton, qu'on écrit souvent force égale masse fois accélération. Eh bien, c'est une loi déterministe, parce que dès que vous connaissez les conditions initiales et les forces, vous pouvez prédire le futur, comme vous pouvez rétro-prédire le passé, n'est-ce pas? Nous arrivons au démon de Laplace, dont je parlerai encore ultérieurement. Donc, il y a le déterminisme et la réversibilité. Dans cette loi, le futur et le passé jouent le même rôle. Et c'est évidemment une conception très spécifique. La notion de loi de la nature est spécifique à la culture occidentale. Dans la culture de l'Inde, la culture de la Chine, qui étaient pourtant d'extraordinaires observateurs de la nature, l'idée de loi, de légalité, d'obligation qu'implique l'idée de loi n'a jamais été formulée. Est-ce qu'elle n'a pas des arrière-plans théologiques, cette notion de loi de la nature? J'ai toujours pensé qu'il y avait un arrière-plan théologique, parce que, au fond, pour Dieu, il n'y a pas d'incertitude. Dieu a fait les choses, comme disait l'alpiniste, de la meilleure manière possible. Donc, au fond, en introduisant la notion de loi de la nature, l'homme se rapprochait de la vision, en quelque manière, quasi divine. Et c'est évidemment une notion grandiose, n'est-ce pas? Et donc les lois sont exprimées de manière mathématique, souvent par ce qu'on appelle des équations différentielles, et leur solution par l'intégration de ces équations. Donc c'est évidemment une conception grandiose, mais en même temps, elle nous laisse un peu sur notre fin. Elle nous laisse un peu sur notre fin, parce que finalement, est-ce que c'est vraiment un modèle d'univers? Il n'y a pas de doute que c'est un modèle pour des phénomènes très simples, pour une pierre qui tombe, pour le mouvement de la Terre autour du Soleil, et en mécanique quantique, pour l'atome d'hydrogène, il y a des succès vraiment immenses. Mais est-ce que c'est vraiment là une raison pour dire, mais tout rentre dans ce même moule? C'est ça la question. Bien entendu, la science classique a connu des transformations. D'habitude, aujourd'hui, on ne formule pas la dynamique en termes de la loi de Newton, mais plutôt en termes d'Hamiltonien. L'Hamiltonien, c'est l'énergie totale du système, n'est-ce pas? Et une fois qu'on a cet Hamiltonien exprimé dans les fonctions, dans les variables qui lui correspondent,
coordonnées quantitativement, peu importe, eh bien on peut décrire tout le futur et aussi le passé. C'est de nouveau une description réversible et déterministe. Alors évidemment, devant cette conception grandiose, se pose quand même le problème de l'homme. Il y a c'est une espèce d'univers limpide, sans mystère, transparent, qui nous est présenté, mais que devient l'homme là-dedans? Et vous savez que ce problème a été posé par les très grands scientifiques et les grands penseurs. Par exemple, pour Monod, la vie était dès lors à l'extérieur de ses lois, était le résultat d'un, on pourrait dire, d'un miracle laïque, puisqu'il était, il n'était pas, il était très opposé à toute forme de croyance religieuse. Donc, il y avait un dualisme qui émergeait. Et de même, pour Coiré, n'est-ce pas, Coiré, le grand historien des sciences, insistait sur le fait que dès lors, il y avait deux vérités, la vérité newtonienne et la vérité de l'homme. Et deux vérités, c'est pas, il n'y a pas de vérité. Donc il y avait comme une espèce de brisure, n'est-ce pas, de brisure entre deux mondes. Et cette brisure a conduit évidemment à l'idée de deux cultures et est très caractéristique de la pensée occidentale. Est-ce qu'on ne retrouve pas justement cette brisure chez Kant particulièrement bien Sûrement. J'y reviendrai d'ailleurs peut-être, n'est-ce pas. Évidemment, cette brisure se manifeste par un dualisme, par, chez Descartes, entre la matière, res extensa, et la pensée, res cogitans, chez Kant, par les noumènes et les phénomènes. Et finalement, quand les philosophes s'écartent de ce dualisme, ils deviennent anti-scientifiques, parce qu'alors ils mettent en avant le problème du temps, comme Heidegger, comme Bergson, et alors ils deviennent, et comme la science classique ne donnait pas ce temps en tant que temps existentiel, en tant que temps de décision, en tant que temps de Sartre ou de Kierkegaard, eh bien, alors, dès lors, il fallait rejeter la science. D'où, de nouveau, comme je disais, cette coupure, ce dualisme de la pensée occidentale qui perdure, au fond, depuis Platon. Oui, est-ce que, néanmoins, dans l'approche antique de la science ou de la philosophie, est-ce que, finalement, certains problèmes n'étaient pas mieux posés que par la science classique elle-même? Mais ce problème du dualisme s'est posé depuis la science antique, depuis d'une manière particulièrement claire par Épicure, par Lucrèce, puisque Épicure se demandait comment la nouveauté pouvait apparaître dans le mouvement rectiligne des atomes. Et c'est comme ça qu'il a introduit le clinamen, qui est au fond une espèce de petite turbulence occasionnelle, imprévisible. Et une chose qui me frappe d'ailleurs, c'est que cette idée de clinamen est reprise au XXe siècle par des grands penseurs et scientifiques comme Einstein et Hawking, puisque Einstein, dans son travail sur l'électromagnétisme en 1916, dit on ne peut comprendre l'émission spontanée en imaginant que les photons sont émis à intervalles imprévisibles et dans des directions imprévisibles. Et que Hawking, dans son livre célèbre, Une brève histoire du temps, est aussi dualiste. D'un côté, un univers géométrique et de l'autre côté, le principe anthropique qui est là pour expliquer la vie. Mais quel est le lien entre les deux? Et en somme, je dirais que mon problème central a été de dépasser ce dualisme. Mais le dépasser, non en niant la science ou niant la philosophie, mais en essayant d'arriver à une image du monde qui contenait les deux. À une image non contradictoire du monde qui contenait les lois de Newton, mais qui contient aussi la vie et qui contient finalement aussi l'homme. Monsieur Prigogine, vous savez certainement que pour Spinoza, le hasard, ça n'est guère que l'ignorance de la nécessité. Par ailleurs, quelqu'un comme Einstein avait dit « Dieu ne joue pas au dé ». Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Mais évidemment, c'est le point de vue classique, n'est-ce pas? C'est-à-dire que
au fond, nous avons une apparente liberté peut-être, mais que le fond de l'univers est déterministe. Moi, j'ai toujours aimé l'image de Popper. Il disait que, alors nous serons comme au cinéma où nous voyons un film et nous ne savons pas qui a tué ou qui va être tué, mais le réalisateur le sait. Et nous sommes là comme des spectateurs d'un film qui est déjà joué. On se demande à quoi servirait alors l'univers, à quoi, à nous faire répéter une pièce qui est déjà faite. Ça me paraît quand même peu vraisemblable. Moi, j'ai toujours pensé, comme Valéry, que l'univers est plutôt construction, que le futur n'est pas donné. Mais cela, ça pose le problème du lien entre le déterminisme et la contingence. La mécanique classique, évidemment, et la mécanique quantique, j'y reviendrai, sont des sciences déterministes. Et c'est ce qui a conduit au démon de Laplace. Mais d'un autre côté, depuis l'Antiquité, l'idée de probabilité est apparue. Elle est apparue très modestement avec les jeux. Je viens de Grèce maintenant, j'ai vu au musée d'Athènes ou de Saloniki des dés tout à fait modernes, donc ils jouaient aux dés. Une fois qu'on sait jouer aux dés, on a l'idée de probabilité. Et quand Einstein dit Dieu ne joue pas aux dés, il a probablement aussi raison, parce qu'un univers purement aléatoire est aussi une chose inconcevable. En fond, il faut trouver le chemin étroit entre déterminisme et aléatoire. Alors, la notion de probabilité a une notion très modeste, parce qu'elle est d'abord associée au jeu de hasard, et ce n'est que beaucoup plus tard, je pense que c'est au XVIIe siècle en gros, qu'il y a une théorie de probabilité qui commence à se dégager avec Pascal et avec d'autres, et puis qu'elle est appliquée au gaz, par exemple, à des ensembles de particules, pour donner l'équation des gaz parfaits. La pression est une notion d'ensemble statistique, la température est une notion statistique. Et alors, elle pénètre successivement dans de plus en plus de domaines. Et comme physicien, je vois finalement quelque chose comme une révolution probabiliste. Révolution probabiliste. Et ce que je voudrais montrer dans ces entretiens, c'est qu'aujourd'hui, la probabilité n'est plus une mentalité, un manque de connaissances, mais qu'elle devient associée à la manière dont l'univers évolue. Donc que les lois contiennent un élément de probabilité intrinsèque qui n'a rien à faire avec le fait que nous savons ou nous ne savons pas, que ce n'est pas un état d'esprit, que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est ce qui évidemment explique la possibilité de nouveauté. Au fond, nous voulons expliciter la rationalité du clinamen. Le clinamen a apparu d'abord comme quelque chose de contraire à la raison. C'est un phénomène surajouté. Et nous voulons maintenant arriver à comprendre pourquoi il y a des phénomènes aléatoires dont Lucrèce et Épicure parlaient. Alors, les probabilités ont fait leur grande entrée en physique avec la théorie statistique de la thermodynamique. Et grâce à Gibbs et grâce à Einstein, ils parlaient d'ensemble. Ils considéraient donc non plus une trajectoire, mais beaucoup de trajectoires. Mais ils le considéraient cet ensemble par suite de notre ignorance, parce que nous ne savions pas quelles étaient les conditions initiales de toutes les particules que nous devions considérer à la suite de notre ignorance des ensembles. Donc, et une fois qu'on a une théorie probabiliste, alors le passage à une théorie dirigée dans le temps devient facile. Ça, c'est le développement de la théorie moderne des probabilités. Une fois qu'on a des probabilités de transition, ce qu'on appelle les chaînes de Markov, on arrive à un état final. Donc il y a un lien. Et ce lien apparaît très clairement depuis Boltzmann, donc il y a 120 ans en gros. Boltzmann est au fond influencé par Darwin. Et Darwin, c'est l'introduction des probabilités en biologie. Les probabilités jouent un rôle absolument fondamental, puisque l'évolution se fait par fluctuation. Par mutation. N'est-ce pas ? Oui, par fluctuation, par au hasard des probabilités.
Et n'est-ce pas, et finalement le milieu amplifie l'une ou l'autre des possibilités. Mais donc il y a quelque chose de très, très important dans Darwin, c'est que la biologie devient une biologie de population, et que pour décrire ces populations, il faut des probabilités. Nous avons déjà parlé dans notre entretien de la physique classique. La physique classique, j'ai parlé des lois de Newton, mais la physique classique nous a aussi laissé l'héritage de l'entropie. L'entropie, c'est une grandeur qui croît d'une manière monotone dans un système isolé, qu'on associe d'habitude à une probabilité croissante. Mais la chose importante, c'est qu'elle a une flèche du temps. Elle a une flèche du temps. Et cette flèche du temps est liée à tous les phénomènes irréversibles, comme la conduction de chaleur. La conduction de chaleur se fait du chaud vers le froid. Donc, il y a un élément irréversible. Donc, en fait, quand nous observons le monde, nous sommes en face de deux types de phénomènes. Les phénomènes réversibles, le mouvement de la Terre autour du Soleil, et les phénomènes irréversibles, toute la chimie est irréversible, toute la biologie est irréversible. Donc, au fond, les phénomènes réversibles ne touchent qu'une partie de notre univers. Alors, donc, il y a un heurt des doctrines. Et comme Weitend l'a écrit très joliment, le heurt des doctrines, c'est une occasion. C'est l'occasion d'approfondir. Et au fond, c'est un problème qu'on essaie d'approfondir depuis une centaine d'années. Boltzmann lui-même pensait donner une théorie mécanique de l'entropie, donc de l'évolution. On lui a dit, halte, c'est contradictoire, c'est en désaccord avec les lois fondamentales qui sont réversibles. Alors, quelles sont les possibilités? Ce sont ces possibilités que vous trouvez encore dans tous les livres. L'une, c'est de dire que l'irréversibilité est une approximation, provient de nouveau de notre état d'esprit. C'est parce que nous ne savons pas qu'il y a probabilité. C'est notre ignorance qui crée la probabilité et qui crée dès lors la flèche du temps. Ça me paraît très bizarre, parce que alors c'est notre ignorance qui créerait la chimie et qui créerait finalement la vie. Et nous serions en quelque manière des pères de l'irréversible au lieu d'en être les enfants. Alors l'autre considération qu'on trouve aussi très souvent, c'est une considération cosmologique qui revient à dire, ah oui, mais l'univers, à son point de départ, était hautement organisé, maintenant il ne fait que se désorganiser, c'est ça l'entropie. Mais ça, c'est aussi simpliste, parce qu'aujourd'hui même, nous avons les phénomènes réversibles et les phénomènes irréversibles. Pourquoi les conditions initiales de l'univers ne se manifestent pas dans les deux? La chose intéressante, c'est la variété que nous trouvons aujourd'hui. Donc, faire appel à des conditions initiales n'est pas la solution du problème. Et donc, je vous ai cité la biologie, je vous ai cité la physique statistique, la thermodynamique, où partout la notion de probabilité joue un rôle. Alors évidemment, un autre domaine où elle joue un rôle très important, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique a une grandeur fondamentale qui est une amplitude de probabilité. C'est-à-dire que son carré vous donne une probabilité. Elle vous dit, par exemple, quelle est l'amplitude de probabilité de rencontrer un électron à une certaine distance du noyau dans l'atome d'hydrogène. Donc, pour vérifier, il faut faire beaucoup d'expériences. Il faut répéter. Il n'y a pas une réalisation unique. Chaque réalisation correspond à une réalisation d'une probabilité. Mais la mécanique quantique conduit à des difficultés. Elle contient bien l'amplitude de probabilité, et cette amplitude décrit est donnée par une équation déterministe, de nouveau, et réversible dans le temps. Or, il faut de nouveau introduire quelque part l'irréversibilité, on l'introduit par le collapse, en anglais, de la fonction d'onde. Mais donc, on arrive à une description dualiste, où il y a d'un côté la fonction de Schrödinger, l'équation de Schrödinger, de l'autre côté, le collapse de la fonction d'onde. Donc, il y a aussi quelque chose de peu satisfaisant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chercheurs ont cherché à introduire un déterminisme dans la mécanique quantique, et notamment Louis de Broglie, et notamment David Bohm, mais les expériences faites à Paris, les expériences célèbres d'Alain Aspect, ne semblent pas être d'accord avec cela. Donc, il faut, au fond, arriver à fonder les probabilités
d'une manière plus générale, je dirais. En somme, la mécanique quantique introduit déjà les probabilités, mais elle ouvre deux chemins. Ou bien le retour à l'orthodoxie, par les variables cachées, mais ça, à mon avis, même si ça pouvait se réaliser, ne donnerait pas la solution au problème du temps, parce que la mécanique classique ne connaît pas non plus la flèche du temps. Ou bien, au contraire, accentuer le caractère probabiliste. Et ça, c'est dans cette direction-là que je suis allé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à ce que j'aime bien appeler une voie étroite entre le déterminisme et l'aléatoire. Le déterminisme est aliénant, parce que le déterminisme nous rend, en quelque manière, fait de nous des marionnettes. Et ça n'a aucun sens. Au fond, il empêche, je dirais, la coexistence de ces deux projets que les Grecs avaient déjà formulés, l'intelligibilité de la nature et un monde humaniste, un monde de valeurs dont nous avons besoin dans notre vie sociale. Si le monde est déterministe, la notion de valeur n'a aucun sens. La notion de valeur implique des choix, implique une éthique. Donc et je crois qu'il y a une liberté. Monsieur Prigogine, selon vous, il y a un lien étroit entre l'affirmation du déterminisme et la négation du caractère irréversible du temps. Est-ce que ce lien étroit, vous pouvez le justifier ? Oui, il y a un lien entre temps et probabilité. Mais je pense qu'avant de revenir sur le problème des probabilités, je voudrais d'abord parler un peu de la flèche du temps. La flèche du temps, et alors comment justifier la flèche du temps dans une vision probabiliste. C'est au fond les deux étapes. N'est-ce pas ? Donc la flèche du temps apparaît dans la thermodynamique. Mais la thermodynamique, avec l'entropie croissante, l'entropie qui devient maximum dans un système isolé. Mais, comme je le disais dans notre entretien précédent, la science classique s'intéressait à l'équilibre, à la stabilité. Et à l'équilibre, nous avons un maximum de l'entropie, où on travaille quelquefois avec une autre fonction appelée énergie libre, qui est l'énergie moins l'entropie multipliée par la température. Donc, de toute manière, il y a un principe variationnel. Il y a quelque chose qui devient extrémum à l'équilibre. Alors, à l'équilibre, le système est immunisé par rapport à ces fluctuations. Parce que si vous faites une petite fluctuation, vous allez sortir du maximum ou du minimum, mais le système réagit de manière à vous ramener au minimum ou au maximum. Donc, au fond, le système ne connaît que une vérité qui est la vérité du maximum ou du minimum de l'entropie ou de l'énergie libre. Mais ce qui est intéressant, c'est alors se demander, mais qu'est-ce qui se passe en dehors? Qu'est-ce qui se passe quand vous sortez de l'équilibre? Qu'est-ce que ça signifie sortir de l'équilibre? C'est par exemple chauffer un bout et refroidir l'autre. Si on ne refroidissait pas un bout et chauffait l'autre, le système se mettrait à l'équilibre thermique, à température uniforme. Mais nous l'empêchons maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la première surprise, pour moi, et c'est une surprise qui date de mes années d'études, d'étudiant, c'est que quand vous sortez un système de l'équilibre, il y a des phénomènes d'ordre qui se produisent. Ce n'est pas un désordre croissant, mais il y a des phénomènes d'ordre. Un exemple de physico-chimiste, c'est l'exemple de thermodiffusion. Quand vous chauffez une boîte qui contient deux constituants, mettons l'hydrogène et l'azote, eh bien, vous chauffez d'un côté, vous refroidissez de l'autre, vous trouvez plus d'azote du côté froid, plus d'hydrogène du côté chaud. Donc vous avez un phénomène d'ordre, vous avez séparé les molécules par un processus irréversible. Et aujourd'hui, on est convaincu que la plupart des structures complexes que nous rencontrons dans l'univers, et notamment dans la vie, ne peuvent se produire que loin de l'équilibre. Parce que loin de l'équilibre, et c'est peut-être ça la chose la plus curieuse, il n'y a plus de minimum ou d'extrémum. Donc il n'y a plus un état idéal vers lequel le système doit nécessairement tendre. Donc c'est le régime des fluctuations, c'est le régime des bifurcations.
dans lequel de nouvelles solutions prennent naissance. C'est le régime de ce que j'aimais appeler les structures dissipatives. Une structure dissipative, je la compare à une structure d'équilibre, le cristal. Une structure dissipative, c'est la ville. Elle ne se maintient que parce qu'elle interagit avec le monde extérieur. Et sa structure reflète son interaction. Et de même, une cellule biologique est une structure dissipative. Elle est structurée de manière à pouvoir interagir avec un monde extérieur. Donc, vous avez alors ces éléments de structure dissipative, d'auto-organisation, parce que comme il y a beaucoup de ces structures possibles, il y a des choix entre ces structures, on parle d'auto-organisation, de bifurcation et dès lors de probabilité, nous venons là-dessus, puisqu'il y a un choix entre différentes possibilités, et nous voyons là très clairement apparaître le rôle constructif du temps. Donc vous voyez, c'est une des raisons pour laquelle je ne pouvais pas être d'accord avec Einstein quand il disait « le temps est illusion ». Non, le temps n'est pas illusion. La flèche du temps, le fait de sortir de l'équilibre, vous donne des nouvelles structures. Et ces structures sont absolument fondamentales pour comprendre le monde qui est autour de nous. Et elles sont fondamentales dans l'écosphère, dans l'histoire du climat, dans l'histoire de la vie. En fait, je dirais que la flèche du temps conduit à deux considérations très générales. D'abord, la flèche du temps est peut-être l'élément commun, le seul élément commun dans tout notre univers. Dans toute cette grande bulle en train d'exploser, il y a un élément commun, c'est la direction du temps. Chacun de nous vieillit dans la même direction. Quand vous vieillissez, je vieillis et vice-versa. De même, chaque étoile évolue dans la même direction. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre un rocher et un être vivant? Eh bien, c'est l'évolution temporelle. Elle est évidemment différente pour l'homme que pour une pierre, mais il y a quand même une évolution orientée. Et en même temps, la flèche du temps est à l'origine de la diversité du monde. La diversité du monde dans lequel nous avons des objets hautement organisés, loin de l'équilibre, comme la vie, et aussi des objets qui sont en équilibre, qui sont désorganisés. Donc le monde nous paraît comme une superposition de fluctuations. Il est dès lors pas question d'une théorie linéaire du temps. Il y a des reptiles qui, il y a 200 millions d'années, se sont mis à voler, mais d'autres reptiles sont restés sur Terre. Il y a des mammifères qui se sont remis à nager, sont devenus des baleines. D'autres mammifères sont restés sur Terre. On peut presque dire que les différentes civilisations que nous rencontrons, la civilisation chinoise, l'égyptienne, précolombienne, sont comme des fluctuations à partir du même élément qui est l'homme. Et c'est d'ailleurs, je dirais, peut-être une des raisons de mon intérêt pour les civilisations néolithiques, c'est que dans ces civilisations, vous avez déjà différentes manières de voir le monde qui apparaissent, un monde cosmique stable dans la tradition chinoise, un monde biologique instable où les dieux doivent être nourris par le sacrifice dans le monde précolombien. Bien entendu, donc, nous arrivons à cette réalité du temps, et la réalité du temps signifie la réalité des nouveautés, de l'innovation, de la créativité. Ce n'est plus quelque chose qui est en dehors de notre expérience, c'est au cœur même de l'expérience. Donc le problème est maintenant d'expliquer d'où vient cette flèche du temps, quel est son sens à l'échelle fondamentale. Dire qu'elle reste dans le phénoménologique devient impossible puisqu'elle joue un rôle trop important. Comment peut-on dire que la vie n'est que de la phénoménologie, ou l'homme de la phénoménologie, comme Monod le disait. Monod disait la vie, l'ancienne alliance est rompue, et l'homme est comme un cigane aux confins de l'univers. Ça ne me paraît pas une conclusion satisfaisante. Comme je l'ai dit dans l'entretien précédent, la science est un dialogue avec la nature. Au fond, la science doit nous insister sur notre appartenance à la nature et de dire que la science conduit à nous reconnaître comme étrangers à la nature ne peut correspondre qu'à une seule chose, c'est de méconnaître
le sens de ce que nous apprenons. Et ce n'est pas seulement Monod. Un grand physicien, Weinberg, a écrit « Plus nous connaissons l'univers, et plus il nous paraît pointless, sans aucun intérêt ». Évidemment, le fait d'avoir réuni les forces électromagnétiques avec les forces faibles de la radioactivité n'a pas de relation directe avec l'homme, mais le fait d'avoir montré qu'il y a un univers évolutif place l'évolution biologique et l'évolution humaine dans un cadre grandiose. Et finalement, la créativité humaine, au lieu de nous opposer à la nature, devient l'exemple le plus éclatant d'une propriété universelle. Oui, il faudrait donc absolument se garder d'opposer le temps humain au temps de la nature. C'est ça, c'est ça. Pour moi, le temps humain est un temps particulier, un exemple particulier du temps de la nature. Bien entendu, si vous demandez quel est le mécanisme du temps humain, c'est-à-dire c'est finalement de la neurophysiologie, et ça n'est pas mon domaine, mais l'existence de ce temps humain, la direction de ce temps humain, l'innovation associée au temps humain, cela, ce sont des propriétés universelles. Monsieur Prigogine, la science classique, c'est celle peut-être d'un monde inerte et désenchanté, peut-être même d'un monde mort, d'un monde absurde. Est-ce que vous pensez que la science contemporaine continue sur cette même lancée? Mais évidemment, c'est ça le problème le plus difficile, c'est comment étendre la science classique. Au fond, que la science classique ait conduit à des succès éclatants, c'est évident. Qu'elle ait conduit à des difficultés qui sont bien soulignées par Monod ou par Whitehead, c'est aussi incontestable. Donc je ne vois qu'un seul moyen, c'est d'étendre la science. Ce n'est pas montrer que Newton avait tort, mais que ce que Newton nous disait s'appliquait à des situations particulièrement simples. Personne ne met en doute la loi de la chute des corps ou le mouvement de la Terre autour du Soleil. Et personne ne met en doute les magnifiques succès de la mécanique quantique. Et pourtant, il faut ajouter quelque chose. Il faut comprendre qu'il s'agit là de simplification, de situation idéalisée. Et c'est la direction dans laquelle, avec mes collègues et mes jeunes collègues, je me suis engagé. C'est de faire, au fond, une physique de population. Une physique de population qui n'est pas réductible aux individus. De même, la biologie de Darwin n'est pas réductible à ce qui arrive à un être vivant. Et de même, nous voyons maintenant, et nous avons étudié maintenant beaucoup d'exemples de situations dynamiques qui sont irréductibles à une seule trajectoire, où il faut considérer d'emblée la probabilité des ensembles, où ce qu'on peut obtenir pour les ensembles n'est pas valable pour ce qu'on peut obtenir pour une trajectoire. Donc au fond, il faut généraliser les notions de solution d'un problème. Ce qui n'est pas soluble au niveau de trajectoire peut l'être en probabilité. Et tous les élèves savent qu'il y a une différence énorme entre résoudre une équation du premier degré et une équation du second degré. Une équation du premier degré se résout en nombre réel, positif ou négatif. Une équation du second degré demande des imaginaires. Donc, il y a des problèmes qui demandent une autre mathématique. Une mathématique, et ici aussi, il y a des situations qui demandent une mathématique de probabilité irréductible à la mathématique des trajectoires. Alors, l'exemple le plus simple, connu depuis le Moyen Âge, c'est l'application de Bernoulli. On multiplie un nombre par deux, et on s'intéresse seulement à la partie du nombre entre 0 et 1. On peut montrer que cette partie-là va prendre n'importe quelle valeur, finalement, entre 0 et 1. Et si vous changez légèrement la condition initiale, vous avez deux trajectoires qui s'écartent exponentiellement. Ce qui fait qu'il faudrait une connaissance infinie pour pouvoir prédire la trajectoire. Mais, curieusement, alors que ce problème est donc insoluble au niveau des trajectoires, du moment qu'on considère une région, alors il devient soluble. Et on a donc un problème qui est soluble en probabilité, mais pas en trajectoire. Et c'est vrai aussi, et je ne vais pas entrer dans les détails qui ne seraient pas
à leur place, mais c'est vrai aussi pour les systèmes dynamiques réels qui interagissent tout le temps. Vous voyez, ce que Newton considérait, c'est au fond des interactions, je dirais, temporaires, essentiellement. Comme par exemple une particule, je simplifie un petit peu, qui vient tomber sur un obstacle et puis devient libre de nouveau. Ou bien des états liés comme Terre, Soleil. Tandis que maintenant, il y a des situations où les particules interagissent, collisions, mais il n'y a pas de particules libres, parce qu'il y a tout le temps de nouvelles particules. Dans cette chambre, il y a des milliards et des milliards de particules. Eh bien, tout le temps, elles interagissent, elles interagissent, elles interagissent. Et là, il faut faire une physique des populations. Et cela conduit à une extension de la mécanique classique et à une formulation unifiée de la mécanique quantique, dans laquelle on évite les difficultés dont j'ai parlé avant de la mécanique quantique, et qui nous donne une vision plus complète, mais les lois de la nature changent de signification. Au lieu d'être des lois d'événements individuels, ce sont des lois de probabilité. Au lieu d'exprimer la certitude, elles expriment des possibilités. Donc, elles permettent un monde en construction. Elles permettent un futur qui n'est pas donné, mais qui est en train de se faire. Alors évidemment, le fait d'avoir de cette manière introduit le narratif dans les lois fondamentales, l'évolution dans les lois fondamentales, change la classification des sciences. Parce que, évidemment, avant, il y avait les sciences dures, Newton, Einstein, Schrödinger, qui parlaient de certitude, et les sciences humaines, économie, sociologie, philosophie, qui parlaient de possibilités. Maintenant, tout le monde parle de possibilités. Il faut donc s'habituer à penser l'incertain. Il faut penser, il ne faut plus identifier la raison avec la certitude et la probabilité avec l'ignorance. Alors, bien entendu, il me semble que cela a une signification non négligeable pour l'histoire de la philosophie. Parce que finalement, pour un amateur, parce que je ne suis pas un philosophe professionnel, mais un amateur seulement, l'histoire de la philosophie, c'est un peu la lutte entre Héraclite et Parménide depuis 2500 ans. Et l'idée classique, c'est que c'est que le changement a quelque chose d'irrationnel, tandis que la certitude, le permanent de Parménide, c'est la chose essentielle. D'où la recherche de permanence, de substance, de ce qui dure. Et cette lutte a fait que Jean Val, que j'admire beaucoup dans son traité de métaphysique, a écrit que l'histoire de la pensée occidentale a été une histoire malheureuse. Parce qu'elle a été toujours tiraillée entre ces deux tendances et entre les deux cultures. Entre les deux cultures, la culture humaniste et la culture scientifique qui conduisait à l'idée de valeur qui était exclue. D'où, finalement, des hésitations continuelles entre un dualisme, Descartes, Kant, déjà, n'est-ce pas, ou bien un monisme, comme Spinoza et Einstein, dans lequel tout était automate, et vous connaissez la fameuse lettre d'Einstein à Tagore, où il disait que si on demandait à la Lune pourquoi elle se mouvait, elle dirait que c'est parce qu'elle a pris cette décision, nous en rions parce qu'elle obéit aux lois de Newton, nous devions rire aussi quand l'homme pense qu'il prend des décisions, parce qu'il n'y a pas de raison que le déterminisme s'arrête là. On arrive à une nouvelle forme de monisme, un monisme dans lequel la créativité, l'évolution est à tous les niveaux de la nature et que d'une certaine manière, l'homme réalise peut-être davantage que toute autre réalisation que nous connaissons, les lois fondamentales de la nature. Finalement, moi j'ai toujours rêvé à cela, je ne sais pas si j'y suis arrivé ou non, mais j'ai toujours rêvé d'une conception non contradictoire. C'est ça le sens de la nouvelle alliance, d'une conception non contradictoire où il y aurait de la place à la fois pour Newton, mais à la fois aussi pour la vie et pour l'homme. Ce n'est pas une conception réductrice. Quand je parle de monisme, on pourrait facilement mal me comprendre. Je ne parle pas d'une théorie qui serait applicable à la fois à la neurophysiologie et aux atomes.
mais je parle d'une conception de la nature dans laquelle les deux trouvent leur place. Je ne parle pas d'une théorie réductrice, bien au contraire. Que devient le temps dans la conception que je viens d'énoncer? Le temps devient un problème global, un problème de population. Si, par exemple, je compare la situation de l'ancienne Grèce à la situation d'aujourd'hui, eh bien, les Grecs pris individuellement, que ce soit Aristote ou Platon, sont au moins aussi intelligents que nos contemporains. Mais la société a évolué, les relations ont évolué. Et c'est donc dans ces relations que se trouve l'histoire. L'histoire ne se trouve pas dans les unités, l'histoire se trouve dans l'ensemble. Et l'irréversibilité se trouve dans l'évolution de ces ensembles. Et dès lors, ce n'est pas du tout une théorie réductrice. Ce n'est pas une théorie où vous pouvez dire « j'ai la particule élémentaire et j'ai tout ». Et peut-être que je pourrais terminer en disant que tout ce que j'ai raconté peut être considéré comme un commentaire à une pensée de Blaise Pascal. Blaise Pascal a écrit « Je ne peux pas croire que je comprenne le particulier si je ne comprends pas le tout, et que je ne comprends pas le tout si je ne comprends pas le particulier ».